Initiating system 1. System 1 loaded. C'est Gunshow. Je suis de retour sur Fallout 4. Et là j'ai un petit peu désambulé depuis ma dernière position, mais c'est que j'avais oublié d'enregistrer, donc j'ai rien fait de... J'ai rien attaqué en fait. Je suis resté sans problème, tranquille. Toi, on t'éteint. Et je suis plein de drogue et comment dire... j'ai pas de chance là. Et comment dire, je peux pas avancer comme je veux. Ouais. Et que je suis con parce que je ramasse le truc. Hop, il y a un atelier, tiens, c'est un mur. Que c'est un garde. Ok, c'est... Bon, il y a des tirs là-bas, je vais pas m'approcher. Apparemment, je suis arrivé à un mur, que je pense qu'il y aura une porte quelque part. You almost... Je crois que si je passais par là pour la... quand je suis arrivé la première fois ici. Un petit coup de RAM, là, je sais pas qui ça passe sur le jeu. Là je vais essayer d'aller rapido là-bas. Ouais, allez avance. Avance mauviette. Diaban c'était enfin, et entre temps j'ai monté un niveau parce que j'ai découvert la bibliothèque, je répète, la bibliothèque, oh putain, remplie de qu'on spell, de mort vivant qui s'appelle Ghoul. Donc j'irai faire un tour un peu plus tard. Là je vais voir si je peux vendre des choses intéressantes et réparer mon armure du moins. Donc voilà. Et enfin nous arrivons. Ah, Diamond City. Ok. Allez. Allez, encore un effort. Tu peux y arriver. Allez. 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 Tu peux arriver à faire ça. Nous avons une promotion sur les balais. Oh non, attendez. Ma programmation dit que nous ne faisons jamais de promotion. Vous devriez peut-être acheter autre chose. Ok. Voyons ce que vous avez là. Absolument tout. Bon, voilà. Vous avez j'ai une petite avance rapide. Hein. J'ai du synthétique. Je vais peut-être en attendre tout est écrasé, hein, tout supprimé, mes trucs. Vous êtes bien le nouveau, non? Bien sûr que non, ça aurait été du suicide. Le nouveau? Que voulez-vous que je vous dise? Les nouvelles vont. Ok. Je m'appelle Arturo Rodriguez. Alors comme ça, les armes, ça vous connaît, hein?
Écoutez, je peux vous vendre des flingues, des épées, tout ce que vous voulez. Et ça vous aidera à rester en vie, pas de doute. Mais le vrai secret, ce sont les modules. On peut ajouter une lunette, augmenter la taille. Bref. Voyons ce que vous avez là. N'hésitez pas à les prendre. Le Pong. What? C'est quoi ce prix de ouf? Ok. Est-ce que tu vois un snipe? Non, mais un vrai snipe, un snipe. Ouais. Hein. 400. Non, j'en rajouterai un. Hein. J'irai fracasser des monstres ou des trucs comme ça, je récupère un truc. J'ai bien. Je sais pas si t'as un mur assisté. Ouh, 5000. Ok. Tu n'es pas un chien. Pardon. Vous, je vous connais pas. Gardez vos distances. Ok. Pourquoi? Parce que je vous connais pas et qu'il est hors de question que je serve les synthétiques qui se font passer pour des humains. Alors, est-ce que vous êtes un être humain? Ça ne fait aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais je vous ai à l'œil. D'accord, on peut faire affaire. Ok, d'accord. Quel genre d'affaire vous avez ici? On achète et on vend de tout 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La nuit, c'est mon robot qui se charge des clients. C'est le seul en qui j'ai confiance. Au moins. Voyons ce que vous avez là. Tout ce dont vous avez... Ok, en gros, c'est... C'est un stock général, ok. Tac. J'ai tout un tas de drogues si vous avez besoin d'un truc pour vous aider à vous détendre. Ah bon? Vous avez parlé de drogues? Tout juste. Toutes les drogues dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre et vous... Uh-huh. Dans le coin, tout le monde se fournit chez moi. Des fois, c'est des gardes qui... Je cherche du travail. Si vous en avez pour moi. Ouais, j'ai quelque chose. Je cherche de la fougère mutante, des fois que vous en... Je crois savoir qu'il y en a qui poussent pas loin du marais de Forest Grove. Proposez-moi un peu d'argent et ça pourrait m'intéresser. Vous essayez de faire pression sur moi? C'est vraiment pas cool. Sans capsule, c'est tout. Mm-hmm. De la fougère mutante. Ok, bon. Essayez. Pardon. Doc. Un autre dossier à ouvrir. Vous avez mal quelque part ou vous êtes là pour nos services de chirurgie du visage? Hein? J'ai besoin de médicaments, docteur. Je pense que j'ai quelques steampacks en réserve. Ok. Un sceptique caoutchouc, ok. Con. C'est ça qu'il me faut. C'est toi qui envoie les seringues, là. Ouais, désolé, mais là il faut que j'achète. Comme jamais, je peux dans toutes les coupes de cheveux du Commonwealth. Ok, et ça c'est avec ça que on injecte. L'institut remplace les gens par des machines? Êtes-vous les prochains sur la liste? Public Occurrences vous dit tout. Oui. Allons voir sa grande sœur. Comme ça, je ferai cette quête-là. Ça fait plaisir de vous voir. Vous tenez le coup, Blue? Blue? Pourquoi vous m'appelez Blue? Parce que vous venez d'un abri. Vous ne portez peut-être plus votre combinaison bleue, mais votre Pip-Boy et cette tête de poisson hors de son bocal, ça ne trompe pas. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. Quel genre d'interview est-ce que vous avez en tête? Je vous demande qui vous êtes et quel est votre avis sur la vie qu'on mène dans le coin.
Okay. Et peut-être que j'y ajouterai une ou deux questions pièges pour pimenter un peu le truc. Qu'est-ce que vous en dites ? D'accord, Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? On a été cryogénisés, ma famille et moi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? Oui. J'ai plus de 200 ans. Bon sang. L'homme venu du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Franchement, voir les gens se battre pour survivre et reconstruire le monde, ça me donne de l'espoir. C'est une réponse particulièrement inspirée, Blue. Je vais vous citer mot pour mot. Je sais que vous êtes à la recherche de votre fils, Sean. Pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans son enlèvement ? C'est un homme seul qui a enlevé Sean, pas un groupe mystérieux. J'espère pour vous que c'est la vérité. Parce que si l'Institut est dans le coup, ça ne peut être que pire. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à la... On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher ? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. C'est excellent comme fin. Voilà, c'est tout. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour... Ok, mais je garde mon toutou pour l'instant, on verra plus tard. Le scoop du siècle... Hé, Piper. Vous venez me voir ? Non, en fait, laissez tomber. Vous savez où me trouver. Le connard. Non, mais en fait, non, Moi, ça, j'ai vu ça. Ok. On peut prendre le truc du chef. Il y a pas de... Rien ne reste caché indéfiniment. En tout cas, pas si j'ai mon mot à dire. Ok, bon allez, je sors de là. Bon, je vais faire une petite pause et reprendre après. Et me revoilà, donc c'est parti. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on va faire comme quête ? Alors, voyons voir. Alors, je sais pas, ok, la journée là-bas. Je pense que ça, je ferai plus tard. Chemin liberté. Ok. Enlèvement. Place. Alors, on va récupérer. Je crois que j'allais m'amuser à trouver une zone. Rider ou je sais pas quoi, ou des pirates. Je veux bien rentrer à la base pour vite fait les trucs. Donc je vais rentrer vite fait à la base, c'est parti. Alors la carte. Modèle pompier de protection est équipé d'une arme cryogénique interne qui peut être utilisée en combat. Oh! En gros, il peut nous congeler! Un pompier qui congèle? Pourquoi pas? Le Fatman est sans doute. Ah! Parlez plus fort! Parlez plus fort! Ah, je peux faire ça. On va faire ça, tiens.
Ah, je suis à poil. Ah, il est à poil. Bon, à quoi je ressemble avec ça? Ok. Ouais, bref. Ça devrait aller. Je crois que mon armure, je vais la laisser là. Voilà. Bon, après avoir fait un long travail sur les armes, je vais en route. Alors, mon tuto. Hey. Ok. Ah oui, maintenant que j'ai cette arme là, l'arme, je récupère ces trucs là. Ah, les seringues, voilà. Ah voilà. Ok, bon, alors. Ok. Bon, ça marche comme ça, ok, d'accord. J'étais jeune, les gens m'appelaient Murphy l'Indomptable. Ah, sorry, bon, je m'en fous comment j'ai écrit. Tant que je me rappelle que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme quête? Tac, tac. Ok, j'ai nettoyé le collège. Ok, on va faire ça. Alors, on va...
aller au collège. Je sais pas où il est le collège en fait. Il est où? Et là, il lâche pas. Mais allons au collège, on va faire le nettoyage. Hein. Un petit nettoyage, ça va faire du bien. Surtout s'il y a des bandits quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre ma figurine sur mon truc. Bref, je ferai ça plus tard. Bon. Ça marche. C'est mou, mais normalement ces ghouls sont pas déjà mortes. Non, je suis passé par là plusieurs fois. Comment est-ce que les loot reviennent ou c'est des d'autres? Moment là, je vais couper la vidéo parce qu'elle durait plus d'une heure, donc en gros elle sera coupée à ce niveau là. Donc je vous invite à voir le prochain épisode plus tard. Donc voilà, c'était Gunshow, bye bye.